Aujourd'hui, on se retrouve au Walt Disney Studio parce que aujourd'hui c'est le dernier jour de Armageddon et de Disney Live, Disney Junior Live. Et donc, pourquoi pas venir faire ces deux attractions une dernière fois avant la fermeture définitive et puis aussi faire un point sur le début des travaux pour l'expansion. Alors comme on peut le voir aujourd'hui, il y a énormément de monde, donc je ne sais pas comment ça va se passer, parce que effectivement là, c'est le début de la saison des super-héros Marvel, depuis la semaine dernière, et donc avec le beau temps et la reprise de cette saison, ça attire énormément de monde. Donc tout de suite, nous avons par exemple Captain Marvel qui nous accueille. Mais ça sera pour une prochaine fois, car aujourd'hui nous allons essayer de nous concentrer sur les attractions qui ferment exclusivement. Je crois que je n'ai jamais vu autant de monde. Donc on va essayer de rentrer à Disney Junior Live on Stage. Voilà. C'est facile. On a le droit. Parce qu'a priori, c'est cette attraction qui va fermer aujourd'hui, en plus de l'Armageddon. Et après, on essaiera de faire Stitch Live. Parce que ça aussi, ça va pas durer très longtemps, à mon avis. Junior Live on Stage. Notre spectacle est très interactif. Afin que tout le monde puisse bien profiter du spectacle, merci de bien vouloir rester à l'intérieur des lèvres jaunes. Nous vous prions de ne pas manger ou boire dans le théâtre. Veuillez vous assurer que les projecteurs de vos caméscopes soient éteints et ne pas utiliser des flashs des appareils photo. Si vous avez besoin de quitter le théâtre pendant le spectacle, nous vous invitons à prendre contact avec un de nos hôtes. Merci et bon spectacle. Maintenant, le moment est venu de rencontrer tous vos amis de Disney Junior Live on Stage. Wow.
trop précis. Regardez tout le monde, c'est Miguel. Bonjour les amis. Bonjour. Dites, vous voulez voir ma nouvelle maison? C'est vrai? C'est génial. Venez. En avant. J'allais oublier le principal. Pour faire apparaître ma maison, il faut d'abord dire la formule magique. Ah, bien sûr, Miguel. La formule magique est Miska, Mosca, Mikemar. Allez, répétons-le ensemble. Prêt? Miska, Mosca, Mikemar. À
un magnifique gâteau, de jolies décorations. On a un chouette cadeau pour toi. Oh, c'est vrai? Un cadeau pour moi? Oui, oui. Voilà, c'était l'une des dernières représentations du show Disney Junior Live on Stage. C'était un show qui était vraiment dédié aux enfants. Ça avait vraiment son utilité dans le parc. C'est un peu dommage que ça se perde. J'ai passé ce moment en compagnie de certainement des anciens marionnettistes. Parce qu'à côté de moi, il y avait certainement des cast members qui assistaient pour la dernière fois à ce show, et c'est vrai qu'ils étaient assez tristes que ça se terminait, mais en même temps plein de joie et plein d'entrain. Voilà. Donc en espérant bientôt qu'il y ait des nouvelles propositions à destination des petits. Et tout de suite, on va aller essayer de regarder Stitch Live. Voilà. Thank you.
Attention, une connexion vidéo va être établie avec la présidente du Grand Conseil. Merci, capitaine Gantou. Bonjour, amis terriens. Je suis la présidente du Grand Conseil de la Fédération Galactique Unie et j'ai une requête urgente concernant une créature génétiquement modifiée portant le nom de Stitch. Bonjour. Stitch a été créé dans un laboratoire clandestin par le professeur Jumba Jukiba. Étant le résultat d'une expérience génétique non autorisée, il a été condamné à l'exil sur un astéroïde désert. Mais il s'est enfui de notre galaxie et a atterri accidentellement sur votre planète où il a été adopté par une fillette prénommée Lilo. Lilo et sa sœur Nani vivent sur une île que les humains appellent Kawaii. À son arrivée, Stitch était très 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 méchant. C'était une créature diabolique conçue pour détruire tout ce qu'il touchait. Mais curieusement, en entrant dans cette famille, il est devenu gentil. Gentil la plupart du temps. Comme promis, nous prenons régulièrement des nouvelles de Lilo et Stitch. Mais nous apprenons aujourd'hui que Stitch a disparu. Et même Lilo ne sait pas où il est. Curieusement, le vaisseau spatial du capitaine Gantou a également disparu. J'espère que ce n'est qu'une coïncidence. Ce message s'adresse à tous les terriens de bonne volonté. Aidez-nous à retrouver Stitch et ramenez-le au sein de sa famille. Il me semble qu'à Hawaï, on appelle ça Ohana. Bonne chance. Ne bougez pas. Dans un instant, les portes de notre centre de transmission galactique s'ouvriront afin que vous puissiez nous aider à retrouver ce petit monstre. Et gare à lui si je le retrouve avant vous. Comme si c'était quelque chose de hyper secret, les photos, les vidéos étaient interdites, voilà, et vraiment, je vois pas trop en quoi c'était hyper secret, mais bon. Donc, c'est vrai que les cast members étaient assez intransigeants, hein. Pas de photos, pas de vidéos. Après, hein, Stitchley, bon, c'était mignon, Stitch est adorable, c'est très rare les attractions où il est là, remis en great et voilà. Mais bon, c'est pas non plus la super attraction de l'année. Donc là, on se dirige pour aller voir Armageddon. Comme on peut le remarquer, hein, donc on sent que c'est la fin pour Armageddon puisque le véhicule qui trônait à cet endroit-là a été retiré. De même, les arbres ont été enlevés, car dans le temps, on pouvait voir qu'il y avait des arbres ici, et donc ça a été viré. Le restaurant des stars est toujours là, mais bon, on voit que la façade a commencé à être désencombrée. Donc là, on va aller voir pour Armageddon. En espérant peut-être qu'il y a un badge.
parce qu'il semblerait qu'ils donnent des badges. C'est l'impression qu'elle était là depuis l'ouverture, je crois. Donc c'est vrai qu'elle avait pas mal vieilli, beaucoup de gens se moquaient d'elle. Mais bon, comme tout, quand les choses disparaissent, tout d'un coup, les gens se reprennent à aimer. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce film-là traitait en fait d'une histoire. Donc le sujet, c'était un immense astéroïde se dirigeait vers la Terre, menaçant de la détruire. Et donc une équipe de casse-cou était envoyée en mission pour essayer de poser des bombes sur cet astéroïde afin de le détruire avant qu'il ne percute la Terre. Donc il y avait Bruce Willis qui jouait le rôle principal. Ainsi que Ben Affleck, je crois, et puis Liv Tyler, et bien d'autres. Donc cette attraction nous permettait de voir comment les effets spéciaux étaient tournés durant une des scènes clés du film. Voilà. Donc, certes, l'attraction avait un peu vieilli, mais en même temps, elle avait son charme. Comme on peut le voir, la tour de la terreur a commencé à perdre les bâches qui masquaient les échafaudages. Donc on peut imaginer que la rénovation a dû être en phase de se terminer, ce qui est une bonne chose, en espérant que nous la gardions encore très très longtemps et qu'elle ne soit pas transformée en Gardien de la Galaxie, comme c'est le cas aux États-Unis. Voilà. De l'obscurité, les certaines scènes peuvent impressionner nos plus jeunes invités. Welcome to Studio 7, the Walt Disney Studios Special Effects Shooting Stage. As a reminder, Armageddon is a base spatio between sudden movements, loud noises, darkness, and then scenes that may be clever to chill. Ok, bonjour à tous. Je vous présente ma collègue Obi-Wan Kenobi et je serai votre assistant réalisateur sur le tournage d'aujourd'hui. Alors avant de commencer, on va faire deux petits sondages. Premier sondage, est-ce qu'il y a des francophones dans la salle? Ah, bah ça fait plaisir, vous êtes pas fort. English? Ok, alors le show sera en français et les profils seront sur les écrans ici et là-bas. The show will be in French, but you can see the subtitle just here and here. Ok, parfait. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements. Vous criez, vous hurlez, vous tapez dans les mains. Parce que dans la salle, nous avons un ancien cast member d'Armageddon qui est là avec nous. Et donc je veux qu'on fasse un maximum de bruit pour lui. À toi, Armageddon! Merci pour lui, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci. Donc maintenant, nous allons continuer notre spectacle. Donc la deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà vu le film Armageddon? Alors pour les trois, oui. Bravo, félicitations. Et pour les autres, bah, désolé de vous le dire, mais c'est la honte. Vous avez coupé votre vie, désolé de vous l'apprendre. Mais c'est quand même sympa, on va vous passer le film. 2h44 de film, et on se voit juste après pour parler des effets spéciaux. «
Mais non, je plaisante. On va pas regarder le film ensemble. On va faire mieux que ça. On va vivre le film ensemble. Donc, nous entendons une scène supplémentaire du film Arma. En fait, c'était la dernière. On a dit, bon, là, on va en Magadon. En plus, il y a un patch, hein, donc on y va. Et donc, vous êtes là. Ok. Non, enfin, le truc, c'est que tout est à peu près de ça. 3 mois. On a fait pas ça qu'à signer des gens. Et ce matin, la boîte de prod nous appelle en disant, bon, bah, c'est bon, les acteurs sont prêts, on vous les envoie. Sauf que, bah, apparemment, ils sont pas arrivés. Bon, c'est pas grave. Grâce à moi, vous êtes devenus de vrais stars. Ici, on parle d'effets spéciaux. Et quand je dis effets spéciaux, je dis les plus beaux tours de magie réalisés au cinéma. En effet, grâce aux effets spéciaux, on a été capable de réaliser les vœux les plus fous des cinéastes. Mais tout a commencé, il y a environ 100 ans, avec un jeune Français du nom de Georges Méliès. De nous conduire dans tous les lieux imaginables. Ah, que dites-vous ça? C'est vrai que notre monde est tout petit, et dans Armageddon, un astéroïde de la taille du Texas se dirige droit dessus. C'est difficile à croire, mais cet astéroïde exterminateur n'est en fait qu'une toute petite maquette en polystyrène. Mais grâce à quelques améliorations informatiques stupéfiantes, c'est devenu un rocher avec vraiment un seul caractère. Évidemment, il n'était pas de taille face au meilleur foreur du monde. C'est moi, là, le beau gosse. Mais pendant que mes bons copains et moi on partait dans l'espace pour sauver l'humanité, on avait toute une équipe d'artistes des effets spéciaux qui étaient là en renfort. En combinant des techniques cinématographiques classiques avec des technologies d'avant-garde, ils ont créé la navette spatiale X-71. Puis, ils nous ont catapultés autour de la Lune. Un atterrissage forcé sur un astéroïde exterminateur, aucun souci. Ils nous ont même fourni un super buggy pour nous promener à sa surface. À la fin, nous étions en mesure de faire exploser l'astéroïde en toute sécurité, sans jamais avoir quitté les Walt Disney Studios en Californie. Bien sûr, ce n'est pas toujours aussi facile. Parfois, les acteurs doivent se retrouver au beau milieu de l'action, et dans un film comme Armageddon, ça peut se montrer très excitant, tout en étant terrifiant à la fois. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, ils sont prêts à vous recevoir sur le plateau. Je vais m'en tenir là pour aujourd'hui, mais vous, allez-y, vous n'avez rien à craindre, je vous assure. Il n'y a absolument rien à craindre, enfin,
rien à craindre. Donc nous entendons une scène supplémentaire du film Armageddon, et cette scène, c'est la 85A, l'attaque d'une météore. Et maintenant, laissez-moi vous présenter votre partenaire principal à l'écran, le météore géant. Mais ne vous en faites pas, vous allez jouer le rôle des membres de l'équipage de la station spatiale russe. Et votre scène se déroulera dans le centre de contrôle, donc juste là. Et maintenant, laissez-moi vous présenter vos deux autres partenaires à l'écran. En premier lieu, l'ordinateur de contrôle. Alors, ordinateur, ce que tu me reçois, ce que tu peux lancer un scan, s'il te plaît. Système biologique normaux. Merci Jarvis. De rien. Et un astronaute russe, le colonel Andropov. Good morning, comrade. Bonjour, colonel. Bon, alors je vous préviens, il est un peu trop porté sur la vodka. Faites attention. Donc, c'est un jour comme les autres, avant la station spatiale. Il se passe pas grand-chose, c'est déprimant. En plus, il n'y a même pas la fibre. Quand, tout d'un coup... Alerte. L'astéroïde arrive pour vous. Alors, juste ici la Terre. Oh, l'astéroïde vient. Et là, le tout petit truc blanc à Kiki. Eh ben c'est vous. Alors, comment allez-vous jouer la scène? Soucieux? Non. Héroïque? Non. Vous allez jouer une toute autre émotion. Cette émotion, vous la connaissez tous. Je parle bien sûr de la peur. Alors vous avez écrit une petite ligne de dialogue. Par contre, je vois bien, elle est très compliquée, on a mis beaucoup de temps à l'écrire. Donc je compte sur vous pour l'apprendre. Attention. Là voilà. Bon, je crois qu'on s'est pas compris. Ici, c'est pas la Reine des Neiges, les effets spéciaux. Ouais. Et pour ceux qui ont pas peur, pensez à votre belle-mère. Ça va être vachement. Ok, on recommence à 3. 1, 2, 3. Encore une fois, 2, 3. Bon, vous m'excusez un peu, là, j'ai pas trop d'audition. Hein. Désolé. Bon. Ok, alors maintenant, plus écrit, on va rajouter un mouvement. Et ce mouvement, c'est tout simple. On imagine une grosse explosion et on se protège. Alors, à 3, c'est votre tour, vous protégez. Attention, 1, 2, 3. Parfait. Bon, allez, plus difficile. L'écrit, les mouvements, la panique totale, pour les enfants légers. Attention, 1, 2, 3. Et bah, c'est parfait. Et vous, le petit secret, vous êtes le meilleur groupe de la journée. Bravo. Donc c'est parfait, vous êtes prêts à aller sur le plateau de tournage. Mais n'oubliez jamais qu'au cinéma, tout peut arriver. L'action sera partout, en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc regardez bien tout autour de vous. Alors maintenant, on va demander à la régie s'ils sont prêts. Attention, tous les acteurs sur le plateau. Ok, ici, dès que les portes automatiques vont s'ouvrir, vous prenez sur la gauche, du côté tout droit, vous jouez le second plateau de tournage. Merci, bonne journée, et que la force soit avec vous. Les acteurs, mettez-vous en place.
peut pas te porter. Ouais. Préparez à l'impact.
vous avez pu assister donc, à l'une des dernières représentations de l'Armageddon, les effets spéciaux. Et donc, voilà ce qu'on avait en guise de cadeau de départ pour tous ceux qui assistaient à l'attraction aujourd'hui. Donc, bien vu à Disneyland Paris pour ce badge. Et puis, merci encore à Armageddon pour ces années de bons et loyaux services. Donc, on va se quitter ici. Je reviendrai certainement un peu plus tard pour profiter pleinement de la saison Marvel. Mais bon, le sujet du jour, c'était Armageddon, Disney Junior et Stitch Live, qui sont voilà, des attractions qui vont fermer, ou en tout cas qui sont en sursis. Et puis, cette journée était vraiment très belle, donc pourquoi ne pas en profiter. Donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À bientôt.